Yo les amis, c'est Gaël de Toulon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme. Pour moi, c'est le top. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va voir un deck, les potes. J'insiste sur le fait que ce deck est oufissime. Donc franchement, déjà, on a fait un 12 victoires en super défi. Et j'ai surtout fait un 12-0 en fait. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc on va ouvrir le coffre de 12 victoires à la fin de la vidéo. Mais juste avant, voilà, le deck c'est celui-là. Il a la sorcière de la nuit. Alors, vous l'avez peut-être pas tous, j'en suis conscient, si vous l'avez pas tous, mettez la horde de gargouille à la place. Mais du coup, je reviens un petit peu parce que je fais un super défi hier. Je explique un peu la situation. Je fais deux défaites. Je fais un 2-0, mais deux défaites. J'étais dégoûté. J'étais un petit peu en PLS, donc qu'est-ce que je fais? Je poste sur Twitter, je demande de l'aide aux pro-players. Et là, j'ai mon ami Gotéo qui est chez nous, qui est chez les Assassins Royal, qui me poste un deck. Il me dit, en fait, garde ton deck 3 mousquetaires qui marche pas mal. Par contre, tu mets à la place de... Je crois que c'est à la place de la Horde, hein, si je dis pas de conneries. Tu mets le sort de guérison. Et là, je me dis honnêtement, ben ouais, pourquoi pas. Donc, je l'appelle, il me répond, il m'explique un petit peu. Il me dit, en fait, c'est tout simple. Pour contrer le poison, tu mets la guérison et tu essaies de t'en servir, en fait... pour surprendre l'adversaire, c'est-à-dire qu'il vaut mieux attendre le bon moment pour l'utiliser. Vous voyez, il ne faut pas forcément l'utiliser si c'est en début de partie pour gagner 200-300, mettre 200-300 dégâts supplémentaires. Non, non, il vaut mieux l'utiliser quand le mec ne s'y attend pas, style, il va vous zapper les 3 mousquetaires, poser un poison dessus, là, vous mettez la guérison, et là, ils reprennent toute leur vie, les 3 mousquetaires. Et là, vous allez défoncer l'adversaire. Donc, qu'est-ce que je fais? De 2 défaites à 0, je lance, et là, on se fait une série de victoires, les potes, sans déconner, la folie. J'ai bouclé le super défi en 36 minutes, donc là, il n'y a pas d'extra time, patin, couffin, non, là, on n'a pas le temps. On a tout défoncé, donc ça marche super bien. Et là, vous voyez que la dernière game, je tombe quand même sur un mec qui joue Bourreau Tornade. Donc on est d'accord que Bourreau Tornade, Foudre, Bûche, normalement les 3 mousquetaires, c'est juste pas possible que ça passe. Et regardez, je vais pas vous montrer 10 games, mais c'est important que je vous en montre une quand même pour voir un petit peu comment ça joue. Surtout que c'était la dernière, donc c'était face à un mec qui était aussi sur sa dernière game pour faire la 12e. Donc c'est censé être la plus compliquée. Donc là... toujours pareil, le fameux, enfin les decks que j'ai tout le temps joué sur le jeu, c'est tout le temps des decks avec les extracteurs. En tout cas, les decks qui m'ont permis de faire des bonnes performances, il y a toujours eu l'extracteur. Donc moi, c'est clairement mon dada. Donc on a posé ça, on s'est fait foudrer la gueule. Lui, il a le chevalier. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on a une variante avec le golem de glace. Donc ça, c'est sympa parce que voilà, on va essayer de se servir du golem de glace pour faire la diversion, ce qui a servi parce que du coup, le chevalier est passé derrière le cochon. Donc c'est important que le chevalier n'aille pas devant le cochon parce que alors là, vous prenez les dégâts du cochon et du chevalier, c'est la merde. Donc là, on lance une bûche pour contre-attaquer. Je décide de placer le petit sort de guérison. Et déjà, les potes, c'est pas hyper bien joué. Dans le sens où je préconise vraiment de pas hésiter à garder le sort de guérison de côté et à surprendre l'adversaire. Franchement, il y a eu des games, alors je vais pas tout vous les montrer, mais où c'était hyper flagrant, où j'ai voilà, j'ai vraiment attendu la deuxième partie, voire l'extra time pour sortir le sort de guérison, et quand le mec ne s'y attend pas, les potes, c'est oufissime. Déjà là, on voit un truc, c'est que pour défendre le cochon, la sorcière de la nuit, c'est hyper, hyper, hyper fort, les potes. C'est vraiment une carte qui est mais complètement cheatée. Parce que là, du coup, voilà, on défend le cochon pas mal. Là, le bourreau, il met pas de coups. Donc, nous, on pose un autre extracteur. Le mec, il sait qu'on joue les 3 mousquetaires. Enfin, je sais même pas si on les a sortis. Mais en tout cas, voilà, là, il foudre encore l'extracteur, le mec. Donc, il fait une erreur. Parce que nous, derrière, on est plutôt pas mal. On a les 3 moumous. On a le bélier. On a le sort de guérison. Franchement, on est bien. On est vachement bien. Ne jamais placer l'extracteur, les potes, quand vous, derrière la tour qui a le moins de points de vie. Ne faites pas cette erreur, on est d'accord que c'est... y a quand même une certaine logique à garder. Donc là, je décide d'envoyer les 3 moumous du même côté. On met un golem de glace. Donc déjà, s'il décide de foudrer quand il va cycler le foudre, bah, il est un peu emmerdé parce qu'il pourra cycler... enfin, il pourra taper que 2 mousquetaires. Et là, mon but, c'est de renvoyer... Alors là, on est bien. Là, on est bien parce que là, regardez, là, on a le guérison. Donc le bourreau, il saute. On a le gang de gobelins qui se... on le zappe pépère. Et là, maintenant, voilà, là, on est carrément pas mal. On va lui péter la gueule parce que le bélier, il met un petit coup. Derrière, on a le chevalier qui saute. Donc, on est pas mal, on est pas mal du tout. Donc là, maintenant, voilà, on est tranquille. On va remettre les 3 moumous. Golem de glace devant. Lui, il décide de bûcher. C'est une erreur qu'il fait, je pense. Là, c'était pas le moment de bûcher. Derrière, on a le bélier. Là, il veut cramer son foudre, à mon avis. Je mets le bélier. Et alors, lui, par contre, il est un peu con. C'est-à-dire qu'il foudre. J'avais posé le bélier, il foudre.
En général, ça se joue à un quart de seconde. Lui, il a fait une erreur et du coup, il a payé assez cher. Parce que là, vous voyez que là, maintenant, on est carrément bien. J'ai toutes les troupes dans le sort de guérison. Il y a un golem de glace de posé. Il met une tornade qui sert absolument à rien. On remet un bélier derrière. Donc là, c'est juste la victoire pour nous. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous accumulez un maximum de troupes. On remet une sorcière de la nuit qui génère des chauves-souris. Enfin, voilà. C'est peut-être pas le plus bel exemple du deck, parce que le mieux, ça reste contre le deck poison. Franchement, contre le poison, les potes, considérez que vous avez gagné. Si vous faites pas d'erreur contre le poison, vous allez gagner. Et croyez-moi, du poison en ce moment, il y en a beaucoup. Hein. Regardez, on en a croisé quand même pas mal du poison. Alors là, on a croisé aussi du deck golem sorcière de nuit. On le shoot facilement. Pourquoi? Parce que là, c'est pas le guérison qui va vous aider, mais c'est de mettre les trois mousquetaires et le bélier de suite après. Et le mec, il va foudrer très souvent, il va foudrer le bélier. Donc vous tirez un avantage en élixir qui est quand même assez important. Et vous voyez qu'on est tombé pas mal sur du bourreau et on a réussi quand même à le contrer assez souvent. Donc j'étais assez content. C'est assez rare que je fasse des 12-0 les potes d'affilée. Même si c'est un 12-2 au final, on a fait notre 12-0. D'ailleurs, je vais vous prouver que c'est vrai. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... et 12, elle est là, voilà. Donc vous voyez que c'est pas des conneries, les potes. On a fait les 12 d'affilée, et si vous calculez le laps de temps, 12h03, et la dernière, ça doit être quelque chose comme... Alors, 12h03 et 11h27, donc c'est ça, ça fait 36 minutes tout pile. Faites le calcul, les amis, donc un super défi bouclé en 36 minutes, c'est un sans faute, même si on avait fait deux défaites au début avec un autre deck. Donc les amis, le deck, voilà, le deck c'est celui-là. On va essayer d'améliorer nos cartes avec le petit coffre de super défis. Donc c'est parti, déjà nous ce qui nous intéresse c'est l'or, clairement. On passe les 100 000 pièces d'or, ça fait plaisir. Une gargouille, du squelette, ok, le géant royal, on s'en fout. Un petit bouliste, ok. Donc il y a 11 épiques les potes, on va espérer avoir des bonnes petites épiques, voir du golem, ce serait génial. Alors, ça nous rapporte de l'or. Jusque-là, tout va bien. La Tesla, c'est pareil. Le Spire... Oh, on a eu beaucoup de communes, les potes, là. Alors, ça, c'est pas mal. Le Guérison, c'est une carte que j'ai un petit peu... Du coup, on en a dit du bien aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en multiplayer, je le joue pas. Parce que, clairement, niveau 9, ça ferait pas l'affaire. Il faut du 10-11. Parce qu'en dessous, ça peut être compliqué. Surtout que je suis assez haut en trophée en ce moment. Et je pense que ça pourrait être préjudiciable. Alors, on a eu toutes les rares... ça sent bon la légendaire, les potes. Franchement, on a eu toutes les rares déjà, ça c'est sûr. Les communes, il doit en rester. Ok, donc on a eu toutes les communes, toutes les rares. Donc là, les potes, je vous annonce, putain, c'est une vidéo de fou. Ça me fait tellement kiffer de choper des légendaires en live. Là, je vous annonce, les potes, on va avoir 10 épiques. C'est Gaël de Toulon voyant, là. J'espère d'ailleurs, les amis, que vous n'avez pas oublié de lâcher votre plus beau pouce bleu. C'est pas parce que j'en parle pas, les potes, qu'il faut me lâcher. Continuez comme ça, là, on explose les statistiques de la chaîne. Merci à vous. Donc là, les potes, je disais, si je suis pas... Enfin, si je dis pas de la merde, en tout cas, on va avoir les 10 épiques. Voilà, 10 PK, c'est plutôt pas mal, on est à 74 sur 200, on est bientôt à la moitié, hein, entre guillemets, même s'il reste du taf, et la légendaire qui arrive, les potes, je vous l'annonce, je veux une sorcière de la nuit où je prends tout sauf Zappy Dragon l'Enfer, 3, 2, 1, yes, oh putain, sorcière de la nuit en plus, oh le screen, putain, c'est une vidéo enregistrée en live, bien sûr, hein, j'ouvre le coffre en live, c'est pas quelque chose de fait après coup. Oh, c'est énormissime. Franchement, je suis super content. Parce que déjà, c'est la légendaire la plus cheatée. C'est celle que j'ai le moins, forcément, parce qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps. Et je suis refait de fou. Donc, les potes, franchement, c'est cool. On fait encore un petit screen parce que ça fait plaisir. Je m'en servais peut-être pour la miniature. Mais tout simplement, voilà, les potes, n'hésitez pas. Alors, on ouvre le petit coffre en or au passage. Hein. J'avais oublié de l'ouvrir, celui-là. Alors, on a de la merde et de la merde, ok, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, les potes, ce deck, testez-le, sans déconner. Merci à Gotéo qui m'a filé le deck. Ceux qui ont Twitter, ils l'ont vu en live. On m'a conseillé plein d'autres decks, mais je sais pas jouer, moi. Moi, les decks cimetières et tout, c'est pas trop mon dada, donc je préfère jouer les trois mousquetaires, en l'occurrence, ça me plaît. Le golem, ça me plaît. Mais alors là, franchement, les potes, ne serait-ce que cette carte, elle change tout. Et le golem de glace à la place du chevalier aussi, qui est assez important, ça allège un petit peu le deck. Donc, je vous le conseille vraiment. J'espère que vous allez faire des bonnes séries avec. Encore une fois, ne le testez pas sur 3 parties, les potes. Hein. Ne faites pas 3 parties et ne me dites pas c'est de la merde ton deck. Hein. Ça marche pas comme ça. Faites une dizaine de parties et vous verrez comment ça se joue. Mais voilà, les trois mousquetaires, c'est assez compliqué à jouer. Il faut quand même prendre un roulement
Voilà, c'est un roulement un peu particulier. N'hésitez pas à vous servir de la sorcière de nuit pour défendre tout ce qui est cochon. Ça défend même le golem. Enfin, c'est oufissime. Je pense que tant que c'est pas patch, c'est pas patché. C'est une carte qui est complètement cheatée. Donc, les amis, j'espère que ça vous aura fait plaisir cette petite vidéo. On aura chopé une légendaire, même si c'était pas forcément le but de la vidéo. Je vous fais des grosses bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.